What do I need to do? Don't you know I love you? Alors vous êtes à l'accueil. Oui, alors, à l'accueil. Vous êtes accueilli de façon méchante ou bien pas? Ah non, gentil non, quand hein. même. Pour le méchant. Le méchant, c'est après. Après, voilà. Battons un peu. Mais à l'accueil, c'est d'abord bien souriant. Ah bah voilà, on est là pour ça quand même. Fais les photos, fais le maquillage, on va monter les poils. Eh bien merci, merci. Et puis bonne fête d'Halloween. Hein. Merci, amusez-vous bien. Ah bah je vais vous dire au revoir, ok voilà. Allez, Artois Web TV aujourd'hui donc à Olin pour Halloween, pour cette journée, vous avez bien compris, en rapport avec Halloween. Eh bien, on est là au stade de préparation au maquillage. Eh bien, le maquillage est préparé par le lycée professionnel Bali de Labassé en compagnie de Justine. Bonjour Justine. Bonjour. Alors, comment ça se passe cette préparation? Alors bah écoutez, on a tout préparé en amont, donc avec les professeurs au niveau du lycée, avec le professeur Bernard Piquet qui a travaillé sur les maquillages en fait au niveau du dessin. Et on est ici aujourd'hui en partenariat avec le Parc d'Olin pour un projet pédagogique pour une sortie scolaire dans le cadre du carnaval. Et on vient maquiller donc aujourd'hui tous les enfants en citrouille, en squelette, etc. Et donc c'est une journée en sortie extrascolaire, donc c'est aussi sympa pour les élèves de voir autre chose que l'école. Ça nous Alors, fait une petite sortie. Comment on définit un maquillage? Est-ce que les enfants ont des préférences pour se maquiller? Alors oui, bien évidemment, il y a des modes. Il y a des modes, donc on a essayé de respecter ça aussi. On a respecté aussi le thème pirate, puisque cette année pour Halloween, c'est le thème pirate. Donc voilà, on a pris tout ça en compte en fonction des envies des enfants. Merci. Merci. Bravo, c'était très bien. Ouais, génial. Merci beaucoup. Je suis d'accord avec toi. Il n'y a pas que des méchants squelettes dans la ville. Je vais avoir peur. Ouais, c'est bien. Je voudrais avoir un petit peu peur. Du coup, on attend qu'il revienne. Eh, hey, vous venez, vous faire peur. Oui. Nous sommes dans l'espace piscine où était aménagé un genre de labyrinthe, on peut dire ça, pour faire peur, c'est bien ça? Voilà, c'est un musée, exactement. Un musée? C'est un musée qui est hanté. Oui. Donc ils ont pour mission de retrouver les rubis qui ont été dérobés. Et vous venez de quel endroit? Nous, on vient du Parc d'Olin. Et ça se passe bien, on se rend compte que vraiment les enfants, ils sont là pour faire peur. Exactement. Alors vous également, vous faites peur aux enfants? C'est ça, oui. Moi, je suis un enfant. Enfin, on essaye. Moi, je suis un enfant, puis je fais quand même peur. Alors, tu es contente quand t'as fait peur aux enfants? Bah, j'ai pas fait peur, j'y arrive pas. Vous êtes de quel endroit? Je suis de Douai. Comment? Douai. Ah, Douai. Vous venez ici à Olin pour participer? Oui, c'est ça, à... oui, avec le staff de Liévin. Avec le staff de Liévin. Oui, voilà, tout à fait. Ah! On passe le tour là, à droite, on va faire. Et les enfants, comment ils réagissent? Ah, ça dépend, il y en a qui ont peur, il y en a qui sont un peu plus courageux. Vous faites peur de quelle façon? En criant, en allant vers eux rapidement, ou en se réveillant, juste après avoir fait semblant d'être une machine, ou comme un décor, en fait, en sondant dans le décor. Ah, c'est un superbe décor. C'est quoi le thème de ce stand? Là, c'est pirate. La journée, elle est organisée autour du thème de pirate. Toujours au parc d'Olin, aujourd'hui Halloween. On se trouve ici à la caisse justement défilé et ce parcours a été transformé spécialement pour l'occasion. C'est ça, le parcours a été totalement décoré avec beaucoup de décorations qui ont été mises en place, avec des ballons dans la structure, toutes choses qui ont été mises en place pour cet événement.
Alors toujours pour essayer de faire peur aux gens, bien sûr. Évidemment, c'est pour rentrer dans le thème d'Halloween, forcément. Ça vous plaît? Ben oui. Ça vous parcourt, hein? Oui, c'est chouette, c'est sympa. Vous c'est agréable. Vous venez de où? De Croisille, entre Arras et Bapom. Ah, donc de donc, vous avez fait un emplacement pour venir découvrir Halloween. Oui. Ah, c'est superbe, hein? Merci. Je suis donc à l'Instabot. Je suis aujourd'hui à Olin pour défier les enfants. Et ces enfants, petits pirates, vont m'aider à retrouver la mémoire. Parce que je l'ai perdu. Regardez mon atelier, il est vide, complètement vide. Je suis sûr que c'est Barbe Noire qui m'a volé ma potion. Comment vais-je faire pour honorer ma commande et livrer Bellatrix ce soir? C'est pourquoi je demande à tous ces petits moussaillons d'aller jusque la rue des Oubliettes, de rencontrer un certain nombre de personnages, et eux vont me rapporter la formule magique qui me permettra de faire ma potion. Vous retrouverez la rue des Oubliettes et le marchand de souvenirs qui me redonnera la mémoire. Qui a décodé l'énigme? Est-ce que vous savez où vous devez aller? Et c'est dans cette direction que vous irez. N'oubliez pas, vous avez une mission, me rapporter ma mémoire. Je compte sur vous. Allez, haute, mauvaise trompe. Alors, dites-moi tout, vous avez trouvé? Oui. Mes chauffeurs, je vous écoute. Moi, moussaillon, vieille moussaillon. Vieille araignée toute poilue. Gratte-toi sur les sous de bras et ta mémoire reviendra. Mais c'est bien sûr! Formidable! Merci, mon gars! Tu m'as sauvé! Bravo! On peut l'applaudir! Touche-la, applaudissez-le! Vous êtes formidable! Bravo! Yes. Vous m'avez rendu la mémoire. Je vous embrasse tous. Tous très fort. Merci. Oui, Clément, c'est ça. Bien, Clément. Ouais. Ah, moi, j'ai le P, là. Regarde. Hop, le P. Petit. Il l'a trouvé. Ouais. Ben bah, voilà, vous avez gagné. Bravo. Les enfants doivent trouver un déguisement et en quelques minutes doivent se déguiser en soi. Et après, on dira qui est le gagnant et il faudra tout remettre dans la boîte. C'est une petite compétition. Entre ses jambes, Margot, entre ses jambes. Notre arme de prédilection. Ma pince. La pince à linge. C'est moi qui filme. Comprenez pourquoi nous ne sommes avec aucune blessure. Maître Pirate a décidé ainsi. On la conserve. Allez, c'est parti pour vous. Allez. C'est ici par contre. Bon appétit, vous avez des serviettes ici. Oh merci. Je vais te mettre là-bas, tu m'amènes là-bas là. Oui. Merci madame.